Bonjour, moi c'est Mathilde, la ludothécaire, et je vous présente aujourd'hui une sélection de jeux pour les 10-12 ans. Aujourd'hui, je propose le jeu Splendor, qui se joue donc à partir de 10 ans, pour 2 à 4 joueurs, avec des parties de 30 minutes. Donc c'est un jeu de placement et de ressources, qui permet de bien débuter avec ce type de jeu quand on ne connaît pas, de pouvoir appréhender ce type de jeu de ressources dans un premier temps. C'est simple et efficace, donc vous êtes à la tête d'une guilde de marchands et vous avez pour objectif de vous enrichir et devenir le commerçant le plus prestigieux du royaume. Ce sont des parties rapides mais avec une bonne dose de stratégie. Il faut observer ses adversaires, anticiper et réserver les bonnes cartes. La partie s'arrête lorsqu'un joueur parvient à obtenir 15 points de prestige en cumulant noble et développement. Alors, le deuxième jeu, c'est Fiesta de los Muertos, donc, qui se joue jusqu'à de 4 à 8 joueurs. Ils mettent à partir de 12 ans, mais à possibilité dès 10 ans. Et c'est des parties très courtes de 15 minutes. Donc, c'est un jeu coopératif, on joue tous ensemble. Aujourd'hui, c'est le 2 novembre, le jour de la fête des morts. Lors de cette journée, les âmes défuntes sont célébrées joyeusement pour ne pas être oubliées. Plongez dans la culture mexicaine et retrouvez chaque personnage défunt. Donc, c'est sur le même principe que le jeu du téléphone arabe. Donc, c'est-à-dire qu'on récupère une petite carte, on écrit un mot qui nous fait penser au personnage qu'on a en main sur les petites cartes ici. Vous pouvez voir ce genre de mots. Et ensuite, on le passe au voisin qui l'efface et qui écrit un mot, qui le passe au voisin qui efface, qui écrit un mot. Autre petit jeu pour la sélection à partir de 10 ans, Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. C'est un jeu de cartes, de rapidité et d'observation. Donc chacun a un petit tas de cartes, le but du jeu est de ne plus en avoir. Et il faut surtout bien se rappeler ces mots, taco, chat, book, cheese, pizza, car il faudra les mentionner à chaque tour, à chaque fois qu'on pose une carte. On les place ici et chacun, au fur et à mesure, dit taco, chat. Bon, là j'ai chat, je dois taper. C'est un jeu de rapidité et de défausse dans lequel les joueurs doivent taper sur la pile centrale pour se débarrasser de leurs cartes. Souvenez-vous bien de ces mots, taco, chat, book, cheese, pizza, et soyez vifs et observateurs, la moindre faute d'inattention peut vous coûter la victoire. Jeu d'ambiance frénétique. Just One, qui a eu le l'As d'or en 2019. Donc là, c'est un jeu où chacun a un petit chevalet et un stylo. Et il va falloir, de manière coopérative, retrouver des mots. C'est un jeu d'ambiance coopérative dans lequel les joueurs font deviner un mot, mais sans concertation. Donc il faut faire deviner le mot mystère à l'un des joueurs, en écrivant chacun, secrètement, un indice sur son chevalet. Mais attention, si deux indices sont identiques, ils sont annulés, ils s'effacent. Donc seuls les indices uniques serviront pour deviner le mot mystère.